pense que c'est bien parti quand même. Je pense que c'est bien Ouais, parti pas de parce que soucis. je le vois depuis tout à l'heure en train de fixer ta Il caméra. regarde même plus le chat. Ah oui, je m'en bats les couilles du chat. Ah là, il est. Voilà. Tu as fait bonne impression. Bah, Par contre, merci fais à toi, Aurore. attention, on ne voit pas beaucoup de bulles. Non, t'inquiète, il faut que. Faut que je me calme d'ailleurs parce que c'est beaucoup trop là. Ouais, il te donne des conseils et tout. Il fait attention à toi. Moi, il m'a jamais rien dit de ce genre. Il peut me voir me droguer à côté. C'est pas son problème. C'est pas mon problème. Ok. Voilà. Non, bah Bon, écoute, ben. merci beaucoup. Bon, bah, Margot, hein, bon laïo à toi. J'espère que tout ira bien. Ah Puis bah à merci, bientôt, toi Aurore. À aussi. tout à l'heure. À bientôt, Aurore. À À bientôt. bientôt. Allez, bon live. Ciao, ciao. Ciao. Allez, ciao. Non, très bien. J'aime bien. JP! Alors, Quoi? est-ce que ça s'est bien Enfin, je passé? veux pas Attends, les Ouais, mots là! non, rien à la foutre. tête des rois. JP, s'il te Merci plaît, pour tiens-toi l'excuse. droit, on dirait une arbête avec ta chemise, on dirait un agent de sécurité d'action, le dernier qui fait 20 pompes doit lécher le cul à Fatima. Oh, moi ça me dérangerait pas en vrai. Je veux pas les mots là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, on attend les dons et on va parler. C'est surtout de me faire démolir le fion jusqu'à ce qu'on entende l'écho de ta voix quand tu crieras dedans. Quoi? Ah bah, de quoi? Attends, on attend les dons et on va en parler. Kipé! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah, j'ai rien à foutre. C'est bon quoi? C'est bon quoi? Je n'aime pas ces mots-là! Ouais, bah je suis en live! Eh ben t'es en live, je veux pas ces mots-là! La suite du fameux Kipé. Clip quoi? Où il se fait daronnette. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Selex de TK7 Chouin. Mais alors, ça peut être la suite de n'importe qui. Toi, ça te dérange pas de te mettre en couple? Je lui demande même pas l'autorisation ou quoi? L'autorisation de qui? Bah de TK. Ouais, peut-être c'est de devant, c'est marqué ex. Vas-y, je vais envoyer un message à TK. C'est déplacé peut-être. Je vais envoyer un message à TK. Je vais envoyer un message à TK. Tu vas chercher. C'est comme si on regarde. Owen, c'est mon pote. Quand tu vas rencontrer une meuf, tu vas demander l'autorisation. Tu vas lui demander le nom de la personne pour demander. Non, moi je vais te demander. Exemple, je vais te donner l'exemple. Attends, je t'écoute, écoutez. Akira passe. Écoutez après. Attends, dès qu'il y aura plus dedans, on en parlera. Je vais envoyer un message à TK et je vais lui dire. Margot et Lex à TK après une petite bite, elle aura droit encore à une petite bite. Salut TK, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, ça te dérange si JP il se met en couple avec Margot? Il y a une certaine Margot, apparemment c'est ton ex, elle est venue sur le live, etc. Elle a mis la cam. Et voilà, apparemment il y a un feeling avec JP, etc. Donc voilà, c'est juste pour. Voilà, c'est JP, il tenait à te demander parce que il s'est dit, ouais, c'est pas bien de se mettre en couple dans ton dos, etc. Tu vois. C'est pas à lui de faire ça, non. J'ai c'est comme même, si, j'ai regarde, quand lui, même c'est mon demandé pote. à TK s'il pouvait. Son ex, c'est Jo. S'il pouvait draguer Aurore? Ouais, ouais. Eh ben ouais. Moi, je vais lui demander l'autorisation de me mettre en couple avec elle. Wow. Ouais, c'est dingue de frapper les gens comme ça. Ok. En tout cas. En tout cas, il est. Il y a quelque chose, hein. Ouais, mais en tout cas, TK, il y a des meufs de 31 ans aussi. Bah oui. Elle a 31 ans. Ouais. On ouais. le précise pas assez, mais c'est bien. Mais c'était une vraie relation ou genre juste y parler? C'était une vraie relation, je pense. Elle a des photos avec et tout. Je okay. pense. Ok. Bon, là, les dents sont terminées. Qu'est-ce que t'en as pensé, honnêtement? Franchement, elle est bien. Elle est bien, bien. Qui, Aurore ou Margot? En majuscule, il l'a baisé. Vous êtes des putains d'animaux. Bon, elle s'est faite baiser par Margot. Par TK. Ça te dérange pas? T'en fous. Avec Aurore. T'en fous. C'est pas grave, ça, on s'en fout. Toute femme a un passé, de toute façon. T'as déjà baisé avec lui, toi, de toute façon, aussi, non? Ouais. Ah, ça vous fait un point commun, tous les deux. Non, débile. Ça vous fait un point commun? Ok, non, sérieusement, pour l'instant, tu. Ouais, bien. Moi, j'aime bien. Sacrée candidate? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut passer, du coup, à quelqu'un d'autre? Non, je t'ai obligé, il a dit la truffe, sinon t'es gay. Il y avait qui? Il y avait elle et il y avait elle. Moi, j'aimerais bien qu'on appelle elle. Ouais. Ouais? J'espère qu'elle va répondre. Je sais pas si elle J'espère que c'est une meuf. Ah oui, ça, c'est une meuf qui vient de son Instagram à lui. Non, Snap. Snap. Ok. Attends, mais j'avais ajouté une meuf aussi. C'est qui? C'est Anis qui vient d'arriver? Non. Ah? Ayoub Saïd et le gros, il s'appelle. Happy. T'as sûrement entendu ça. Alors attends, je suis en train de l'appeler. Fais voir ton téléphone. C'est toi, tu parles avec elle. T'as encore des œufs dans la poche, je crois. Demande-lui si elle est dispo.
Hop. Sinon, il y avait qui? Il y avait elle aussi, mais je sais pas c'est qui elle. Je sais pas c'est laquelle. Est-ce qu'elle va répondre? Tellement de prétendantes. Ouais. Mon rêve à ton âge. Je trouve que t'aurais dû un peu plus parler. Ouais, t'es... T'as pas assez d'inspi, on dirait que tu voulais pas la connaître. Si, je vais la connaître, mais c'est pas facile. Pourquoi pas facile? Pas facile. En live? Ah, t'as pas l'habitude, c'est ton centième date. C'est pas fastoche, quoi. Normalement, là, tu gères n'importe quoi. Non, tu dois être rodé de ouf. Attends, moi, c'est laquelle? Elle est où? On avait une avec qui j'ai parlé, et en plus, c'est une daronne. Elle est où? Je sais pas c'est laquelle. Je t'ai ajouté en ami. De toute façon, elles sont là, quoi. Attends. Même il a fini par Aurore. Ouais, tu sais que ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie quand même. Je sais pas comment c'est possible. C'est sorti d'où? T'arrives toujours. Frérot, même quand ça se passe bien, t'arrives toujours à faire une dinguerie. À tout niquer. Allô? Ouais? Ouais, salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. Dis-moi, petite question. Est-ce que tu peux mettre la caméra ou pas du tout? Bah là, je suis en train de jouer, c'est pour ça, je peux rappeler après? Dans combien de temps à peu près? Je sais pas, je te tiens au courant. Tu joues à quoi? À Call of. Ok, ça va prendre beaucoup de temps ou pas? Parce que là, on est en live, on aimerait bien te faire monter. Quelques minutes ou ça va prendre plus de temps? Je sais pas, je te tiens au courant, je te redis ça. Je vous envoie un message. Vas-y, y a pas de souci. En tout cas, JP, il a hâte de discuter avec toi. Ok, bah pas de souci, d'accord. Allez, à toutes. Ok. Elle a dit, joue à Call of, il a fait. C'est bien ça. C'est un bon point. Elle, les gars, c'est la meuf. Elle s'en bat les couilles. C'est la meuf que tu parles avec elle. Tu parles avec cette meuf sur Snap. Moi, de temps en temps, je parle avec elle. De temps en temps. Elle fait de la désirée. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, elle fait de la désirée. Ok. L'autre, je vais essayer de rappeler l'autre. Elle, tu sais que je sais pas c'est qui par contre. On va voir. Comment elle est arrivée là, je sais pas qui c'est. Bah que c'est forcément une meuf qu'on a ajoutée, tu vois. C'est-à-dire que c'est une meuf avec qui on a parlé aujourd'hui. Bon. De toute façon là on va attendre l'autre. L'autre pour l'instant elle répond pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va voir dans la directement sur Discord là s'il y a des meufs. Mais c'est... je pense que ça va être du troll là. Non, pas leur genre. Là par exemple. Allô? 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 Non mais on se rend compte quand même qu'il a parlé pendant une heure avec une meuf. Et genre il était à fond sur elle, etc. Et au moment de lui dire au revoir, il s'est trompé. Oui, ça arrive. Il s'est trompé de prénom. C'est le stress. Mais comment ça arrive? Le stress, stress de quoi? En plus, il y a qui s'appelle Aurore? C'est pas comme si tu parlais à 1000 meufs en plus. Ouais. Depuis quand tu parles avec une meuf qui s'appelle Aurore? Bah, nulle part. C'est une dinguerie. Allô? Magali? Salut JP. Allô? Allô? Tu vas? Comment tu vas JP? Bah ça va. T'es une meuf toi? Bah oui, à ton avis. Oui, bien sûr, avec un peu de temps. Elle fume des camels. Tu fumes des camels? Je vais pas. Je suis dans le cadre de ton père depuis une semaine. Waouh! Je suis dans le cadre de Taki. Ok. Ok. Rim 75, c'est une meuf, 100%. Qui? Rim 75. Rim 75, 021. Oui. Qu'est-ce que t'en sais? Je la connais. Allô? Bah non, elle veut pas participer. Elle est occupée. Allô? Avec un autre mec, sûrement. Allô? Allô? Non. T'es mute? Ah voilà, elle est là, je la cherchais plus tard, c'est bon, elle m'a accepté en ami, c'est bon, je l'appelle. Ça c'est qui? C'est une mère de famille. Incroyable. Sonia. C'est elle sur la photo? Sonia, oui. Non, c'est une vraie meuf? Oui. Elle est jolie. J'ai fait les recherches. C'est quoi ce piège, à mon avis, elle est grosse. Allô?
Allô, Sonia. Allô. Attends. Comment ça, attends. J'aime bien ça. Clipper au moment où il dit oui, c'est sûr, j'ai fait les recherches. Attends, allô. Allô, attends, je dois t'expliquer quelque chose. Explique, on t'écoute. C'est qui parlait tout à l'heure? C'est qui parlait tout à l'heure en vocal? Je vais tout expliquer à la fin, mais pour l'instant, j'ai une surprise pour JP. Si c'est pas ta mère, on s'en bat les couilles. Allô? J'ai une surprise. Vas-y, allez. Allez, c'est quoi la surprise? Eh ben alors déjà, je vais m'excuser d'avoir mis la mère de JP sur Tinder, déjà je m'excuse. Et du coup, de deux, j'ai un cadeau du coup pour lui, que je dois, du coup, pour mes excuses, du coup, je dois lui faire un cadeau, du coup, j'ai fait un cadeau. Et c'est quoi le cadeau? Bah alors attends, je vais te faire un partage d'écran. Attends. Vas-y. Oh là, avec vous, je m'attends au pire. Alors, mais du coup, c'est qui parlait tout à l'heure en vocal? C'était qui? C'était ta mère pour de vrai? C'était ouais. Daronne. Vas-y, attends. Tu vois ou pas? Ouais. Ouais. Non, partage pas. Non, mais il va rien faire, je pense. Non, fais pas de dinguerie. Partage pas. C'est bon, il va sur Tinder, il va nous montrer. Partage pas. Il va nous montrer. C'est Tinder. Regarde. S'il faut. Okay. J'ai fait un petit cadeau à JP. Je suis homosexuel, j'aime les femmes. Attends, j'ai parlé avec des gens. Là. J'ai parlé avec lui. Non. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Non, il a pas fait ça. Avec Marco. C'est un bon petit homme. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Il met le nom des gens, les photos des gens. Ouais, tu sais qu'on peut avoir des couilles. Voilà, JP, du coup, je te sauve la vie. Si tu trouves pas de femme, je t'ai écrit déjà pour Tinder, donc il s'est prêt pour les. J'ai raccroché. Sympathique. Il m'a bien baisé. Mais frère, il a. Tout à l'heure, je vous jure, il m'a passé sa daronne. Genre, il y a même, j'avais que sa daronne, je parlais avec sa daronne. Pendant combien de temps? Mais je sais pas, quelques minutes, c'est pas un truc de fou. Bon, en tout cas, si jamais. Allô? Y a pas de meuf. Attends, y a déjà un pied. Dans l'homosexualité. C'est déjà pas mal. Ah ouais, je suis pas là. Allô? Mais elle est mute. Faut la descendre. Faut qu'elle se démute. Allô? C'est comment ça marche, Discord? C'est ça le problème avec les meufs. Elles savent même pas comment ça marche, Discord. Faut se démute! Bon. Je la fais monter après. Écoute. Ah mais là ça va être que des trolls, moi il faut la meuf qui joue à Call of. Et l'autre elle répond pas. Elle a dit qu'elle était pas encore rentrée chez elle. Ouais ça c'est une fake ça. Allô? Allô? Oh. Allô? T'as quel âge? Mais vous m'entendez ou pas? Oui on t'entend. Mais t'as quel âge? Attendez, mais moi je vous entends hyper mal. T'as quel âge? Vous savez que ça fait 2 semaines, j'essaye que vous me faites monter. Elle est du Nord, elle est du Nord, c'est incroyable. T'as quel âge? Comme quoi que... J'ai 19 ans. Non, ah, trop jeune. C'est jeune, 19 ans. C'est mais bon. Attends, mais t'as comme, on sait jamais. C'est... Non, y'a pas de on sait jamais, ne mets rien du tout. Et pourquoi 19. Je vous entends pas fort? C'est la meuf, la technologie, tout ça. Il doit avoir des boutons, non, sur le côté. Non, mais vous savez, déjà Discord, je comprenais pas comment ça marchait, donc... Ouais, ça nous étonne pas. Tu m'étonnes. Mais, Contre, JP, la chemise, franchement, ça fait trop, là. Comment ça fait trop? Comment ça, ça fait trop? C'est une réponse. Mais ça, JP, en fait, avant de mettre une chemise, faut qu'il se lave d'abord. Le mec, il a dit 19 ans, il est trop vieux pour Jackie. Mais... Déjà pas mu avant de venir sur un Discord. Je sais pas, tu vois que le mec qui a 45 ans en face, tu sais très bien que... Là, tu viens, tu dis que t'as 19 ans. Je sais pas, t'as pas autre chose à faire. Mais je suis pas venu pour ça, hein. Moi je suis venu juste parce que je vais parler à Owen, Gwen et tout. Hein. Ah, salut. Salut. C'est gentil d'être passé. C'est gentil. Malheureusement, on a très peu de temps, on doit trouver l'amour pour JP, donc t'imagines... Comme c'est difficile comme mission.
Je comprends bien que c'est difficile. Voilà. Mais sinon, à part ça, un petit truc avant de partir. Un petit conseil pour ces futurs ouais, dates là. Ouais, peut-être un petit conseil. Un petit conseil. Qui se lave. Très excellent conseil. Mais c'est le meilleur conseil de tous les temps. Ouais, on peut dire. Vraiment débile. Ah, attention. Non, mais JP, moi je t'aime bien. Merci à vous. Oui, ça va. Grosse force. Ta mère, Joaquin, le nazi. Ah ouais, les routiers sont en colère. Ok, d'accord. Ok, et ça va, tu nous suis souvent, tous les jours? En fait, j'aimais pas vos lives et tout, genre je trouvais ça bête. Et après, je commençais à regarder, et quand vous êtes mis en day off à Marrakech, j'avais trop la haine. Ah. C'est comme une drogue. Ouais. Ouais, voilà, maintenant je regarde tous les jours. D'accord, incroyable. Tu vas aller loin dans la vie, sache-le. Ouais. Voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, merci à toi d'être venu. Merci. Allez, ciao. Moi aussi, Zerot. On voit l'Insta, j'ai trop faim. Waouh. Tu calmes, les mecs. La cousine là qui joue avec un tour pas. Vraie fille. Il y en a un, il s'appelle Vraie fille. Ouais. Oui, c'est 100%. Joël pour JP. Oui. Aurore. ça, c'est du fake, ça, tu vois. Moi, je reconnais les fakes. Après, je pense Margot, elle a mis la barre un peu haute, là. Ouais. Ça va être difficile, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai senti quand elle a dit « Ouais, moi, je cherche quelqu'un qui est dans le milieu du stream pour qu'il me comprenne. » Là, il y avait une connexion. J'ai vu. Peut-être tout de suite, ça t'a... Et moi une... Ah, allô? Oui. Allô. Moi, en fait, je viens pas du tout. Je suis pas une meuf. Je viens pour Jackie. En fait, je viens pour les enfants de la cave. En fait, c'est vraiment simple ce que je veux. Moi, je veux venir à Metz et ramener tous les enfants de Jackie. Oh, Jackie, c'est un sauveur, frérot. C'est un sauveur. Là, vous êtes en train de niquer sa soirée. Lui, il veut juste choper de la meuf. Oh, je prends le dessus. Et JP, tu n'oses pas la voix. Et je le dis qu'une fois. Tu n'oses pas la voix. Non, voilà. Margot. Diorore, elle a dit ouais. Non, Margot. Et putain, mais l'autre elle répond pas. Sonia, qu'est-ce qu'elle branle? Non, mais c'est elle. Ça, c'est la deuxième de ton snap. T'as envoyé un snap? Ah, t'as dit quoi là, la blonde? Ah, t'as dit quoi? Moi, je veux dire, t'es pas capable de me donner une réponse. C'est bien malheureux. C'est qui? Dis-lui qu'elle vient sur Discord. Viens sur Discord. On va s'expliquer. En fait, il te rappelle, à la dernière Radio Love, il a rencontré une meuf, elle s'appelait Alice. Ouais. Et elle lui a dit, je comprends pas pourquoi tu refais des Radio Love alors que j'habite pas loin de chez toi, t'as jamais pris la peine de venir me voir. Nanana. Non, mais elle avait pas mis faux plan au dernier moment. Ouais, je crois. Ouais, il faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Faux plan au bout d'un moment et quand t'as... Qu'est-ce que tu fais que je sois pas là? Et pourquoi elle répond pas? Elle sait qui? Elle sait qui? C'est quoi cette horreur? C'est quoi ce piège? Quoi ce piège? Ah, tu fais comme... Arrête de copier Koudou. Tu n'y arrives pas à la cheville. Et elle a dit quoi, la blonde, là? Elle a dit pas pour le moment. Non, mais dis-lui, vas-y, qu'elle bouge. On n'a pas que ça à foutre. Dispo, elle a dit, on va sexe. Mais lui, envoyé, t'es dispo comme si c'était un tapin, frère. Quoi? Attendez. Tu veux pas aller, mon là? Ouais, bah, t'as rien à foutre. On va les couilles. Je livre les magasins, dit je croise souvent Joaquin et Jojo en train de boire des bières en ferraille. Point après, ils s'enculent sur le parking. Triste histoire. C'est bien eux. Force aux routiers de vivre des choses pareilles. Sur les aires d'autoroute. Mmh. Là dans le chat, y a pas une meuf là en attendant que la meuf elle arrive? Putain, c'est maigre. Je pensais que t'avais plus de succès que ça. Hein. Ouais, bah non. Eh non. Ah non. Ah. Non, c'est laquelle? Ouais, mais prends-moi. Prends Aurore, c'est une vraie meuf. Oui, c'est ça. Oui. C'est lui. Relancer. Bientôt. Putain, mais attends. Vas-y, dis à la cousine qu'elle se bouge là, qu'on fasse la bonne rencontre avec elle. Elle, j'ai l'impression, elle, c'est plus ton style quand même. C'est plus ton style que Margot quand même, celle-là. Blonde, yeux clairs. Plus jeune. Qu'est-ce que tu vas lui envoyer? Je sais pas, qu'est-ce que je lui envoie? Tu veux que je lui envoie moi? Oui, bouge ton cul. Ouais. Tu peux envoyer bouge ton cul, c'est mal poli. Ça fait longtemps que tu parles avec elle? Bon, de temps en temps. Ça se passe bien? Elle sait qui tu es au moins ou pas? C'est doute, hein. Mais comment elle a atterri dans tes contacts? Ouais, c'est ça. Comment t'es rentré en contact avec cette meuf? Je sais même plus comment. Tu sais même plus comment. Ouais, trop de meufs, tu sais même plus.
Moi je pense juste que ça se peut, ça. Ah non, mais là, on l'a entendu en vrai. Je suis con. Gon, arrête de te gratter les couilles. J'ai pas gratté mes couilles. Si vous voulez, en attendant, je peux faire monter. C'est qui? Non, non. C'est la copine québécoise. Non, ah oui, ça... putain. Mais non, mais ça se voit que c'est des fakes là, les gars. Mais elle, c'était quoi en fait alors? Ma mère pour JP, lui j'y crois. Attends. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Jojo, encore deux bières et elle vient draguer son fils en radio love. Ah, mais ça, c'est. Allô? C'est pas une meuf, ça. C'est pas une meuf. Allô? Ah, mais AGP. Ah, voilà. C'est pas une meuf. Voilà, voilà, ta mère JP. Ça, c'est forcément pas une meuf. Qui veut épouser mon rouec? Marine. Allô, Marine? JP! Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Les gars, s'il vous plaît, dites-moi, vous avez prévu un live hier et je vais visiter Nice du 5 au 7. Geste de prière. Non. Mais tu pourras passer nous voir si tu veux. Ouais, au local. Ok. Merci pour le don. Quoi? Je veux pas les mots là! Ouais, bah j'ai rien à foutre. Théma le sèche-linge ambulant, la meuf qui t'a sucé le cul, elle a dû se mettre dans une cure de désintoxication. Et aussi la caquette, elle va atterrir dans ta gueule. La caquette. La caquette. Je pense qu'elle est morte, la meuf qui lui a bouffé le cul. Qui s'arrête? Allô? Allô? Nathalie? Nathalie? Ah bah tout à l'heure j'ai commencé le live en disant waouh, succès de fou avec les femmes. Ah bah. Non mais je pense que les femmes elles ont eu peur. Il y en a plein qui ont eu peur avec Margot. Ah ouais? Ouais. Aïe. Ils se sont dit là il y a trop d'adversité, tu vois. Virginie, femme fontaine. C'était malade. Je présente ma mère. Mais c'est un mytho. Allez, on va voir. Allô? Allô? Non, mais ils ont carrément plus de micro en fait. Aurore la vraie, peut-être. Allô? Ouais, y a plus de meufs. C'est que des faux. Que des meufs de 20 ans, de 19 ans. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Owen, tu es le père. Parfait, merci. Ou alors c'est nous, on a un problème. Vous les entendez? Non, je les entends pas du tout. Mais t'es avec nous, toi, connard. Allô? On parle à eux sur le live. Je suis en train de péter un câble. Ouais, allô? T'as répondu ou pas? Ouais. C'est une meuf, ça, je reconnais la voix. Ouais, allô, ouais. Je veux pas les mots, là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. JP, je suis les voir à Tiraibala et je lui ai dit que t'es avait perdu. C'est un bref, quoi, une question pour JP, les frères. Attends, elle a dit next. Vas-y, on t'écoute. C'est quand vous recommencez les lives claques dans la tête là, parce qu'il faudrait défoncer la gueule à ce vieux squelette là, parce qu'il faudrait le réveiller, hein, parce que bon. Ouais, mais là c'est un live où il cherche l'amour. En plus, il est habillé propre, ouais, il a une chemise blanche, ouais, et tout. J'ai bien vu. En tout cas, j'espère bien il va trouver l'amour parce que quand même, j'y ponds les mains. Ouais. Moi aussi j'aimerais bien. Je tenais à m'excuser pour la diffamation. Parce que j'ai un pauvre JP là, il a pas trouvé l'amour. J'ai un fils indigne, gardez le cette pourriture et puanteur. Allô? Nathalie? Allô? 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 Vraie meuf, je reconnais. Ça, c'est une vraie meuf. Je suis une jeune trans qui s'est fait implanter. Je me suis implanté une chatte pour JP. Pour JP. C'est pour toi, JP. Tu pourrais, toi? C'est pour toi, JP. Je suis là. Est-ce que tu pourrais? C'est ta mère derrière qui parle! Il s'est fait daronnette ou je rêve? Pendant qu'il disait que c'était un jeune trans qui s'est fait implanter une chatte? Chat, ouais, non, c'est hallucinant. Je pense que le jeune trans s'est fait daronnette. Daronnette. Mais imagine, t'es un daron, quoi, tu passes derrière la porte, dans le couloir, derrière la porte de la chambre de ton enfant. J'ai tombé, mon tel écran est cassé, espèce d'enculé, congé en septembre, je vais sur Marseille, je passerai vous voir les gars. Vas-y, c'est bon. Imagine, t'es un daron, tu passes devant la chambre de ton fils et t'entends ça au téléphone. Ouais, je suis un jeune trans, je me suis fait greffer une chatte. Pour toi, JP. Pour toi, JP. Ah, bien, bien, je rentre, je le bastonne. Ah oui, je le bastonne moi aussi, je le tabasse fort. Ça te fait rire. Je vois la scène. Marina. Allez, s'il te plaît, sois une meuf. Allô? Non.
Nique ta mère la pute, JP. C'est simple. Simple et efficace. Est-ce qu'il est laid, lui, là-bas? Alors, mission, ta gueule. C'est quoi la mission? Je vais monter Rim. Mais ça, il marche pas, son truc. Je vais envoyer un message. Oh putain. Putain, les meufs là. Allô? Elle a pas fini son truc là, sa partie de Call of, elle se fout de ma gueule. Ouais, salut. Salut, t'as une belle voix. Ça sent pas les couilles. Hein. Ça va bien? Ça va, belle voix. Cool. Ouais, merci. Et tu te rappelles-tu de moi? T'as dit quoi? Est-ce que tu te rappelles de moi? Ça me dit quelque chose, ton accent me dit quelque chose. Ouais, ouais, c'est moi le papa de Anne. Oh. Biche de feu. Oui. Elle est là d'ailleurs. Oui, elle est là, mais elle est trop gênée là. On dirait qu'elle veut pas parler. Mais depuis tantôt, j'essaie de la convaincre, mais. C'est normal. Il a mis la chemise. Il est impressionnant. Comme ouais, ça. Je pense que ça doit être ça. C'est la chemise, non? Ah, ça l'impressionne un peu, je pense. Bah, est-ce qu'on pourrait parler un peu avec Biche de feu? Va falloir la convaincre. Anne, faut qu'elle entende la voix de JP peut-être. Vas-y. Anne. Aurore. Nathalie. Anne. Elle est là? Oui, elle est là, mais elle veut pas parler. Faut que t'as convaincre dans le chat pour qu'elle puisse monter dans le Discord. Pourquoi il faut la convaincre? D'habitude, on n'avait pas besoin de la convaincre. Parce que là, aujourd'hui, t'as mis la chemise et t'es beau gosse. Ah, bah, ouais, c'est ça, t'es trop impressionnant, puis. Mais je le sais que t'as la tente, là. Ça lui tente, mais. Tu l'impressionnes trop, JP. T'es tellement beau aujourd'hui. Putain, incroyable. Peut-être finir avec le daron. Ouais. Mais bon, je vous laisse essayer ça, là. Je voulais juste vous dire un petit salut. Bah, merci. Allez, merci beaucoup. Ciao. Salut les mecs. Salut, les mecs. Mais c'est vraiment le daron? Je sais pas, mais c'est. De toute façon. Mais tu sais que je crois vraiment que c'est le daron et qu'il regarde les lives avec sa fille. C'est pas une blague. Elle où rime? Non. Et l'autre, elle a pas fini sa game de Call of. Putain, la meuf de. De Call of, je l'attends au tournant. T'as pas intérêt à faire le BDG avec elle? BDG avec quoi? Bah, t'as fait attendre là, tu fais. Ouais, tu lui dis. Tu fais le mec quand, clair. Quand elle vient direct, tu lui dis. Fais-moi un sandwich. Ouais, bah, rien à foutre. Bonjour, je suis le tonton mort de JP. Il a oublié de son odeur que j'ai vu. Et mon frère Jackie, je vous le confirme, il aime les enfants, il a une belle collection. Solène. Allô? Ah bah oui. Allô? C'est vachement une meuf. Je suis sans frontières. Je suis sans frontières. Allez, nique ta mère la pute, Joël. T'es grand-mère, mon fils. Oh, la même voix. Oh, la même imitation. Dommage, c'était une sans frontières. Je suis sans frontières. Je suis sans frontières. C'est raciste, là. Oh là là. C'est qui? Vas-y, dis-lui. Allô? Si, parle. Allô, Anne? Anne? On t'entend pas. Ouais. Ben moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, faut que tu parles un peu plus fort. Ça va, Anne? Parlez plus fort. J'ai l'impression que c'est deux personnes qui parlent. Allô? Petit Allô problème de micro, Anne. Hein. Oh non. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ouais, on t'entend, ouais. Comment tu vas, Anne? Ça va, vous les gars, ça va? Ça va. Ça va, tranquille. Hein. Ok, silence. Il est, je sais pas, il est timide. Non, mais. Mais quoi? Bah, je sais pas, j'ai pas entendu ce que tu dis, ça va, oui. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va, merci. La journée s'est bien passée? J'ai rien compris. Ouais, très bien. La tienne, est-ce qu'elle se passe bien jusqu'à présent? Ouais. Ouais. Est-ce que t'as vu comme il parlait bien avec l'autre meuf, t'as trouvé du feeling entre lui et l'autre meuf? Plus de son côté à elle que du côté à JP. JP, il a besoin d'une petite chienne, je pense. De quoi? Il a besoin de quoi?
une petite chienne. Attends, Anne, est-ce que t'as ressenti de la jalousie? Beaucoup, énormément. Énormément? Ah oh ouais. Vraiment? Ben oui. T'étais jalouse pendant qu'il parlait avec l'autre meuf? Ben oui, parce qu'il lui a pas posé mes questions. Moi, je voulais savoir si c'était roux partout, puis j'ai jamais eu de réponse. Ah! Ça, c'est une question que tu pourras la poser au date. Ouais, voilà. Ouais, ça serait une bonne question, je pense. D'accord. Et toi, tu trouves que c'est pas une meuf pour JP, en gros? Ben, c'est que les dents des enfants, j'ai un petit peu d'inquiétude au niveau des frais d'orthodontie. Pourquoi? Elle a des mauvaises dents? Un peu, oui. Waouh, wow, c'est de la jalousie. Anne, elle est là, elle est jalouse, elle est là pour te détruire. Aya, comment elle parle de ta fille. Aya, ouais, elle parle d'horreur. Comment elle parle d'horreur, c'est un truc de fou. C'est Naruto. Comment? Naruto. Et du coup, Anne, il lui faudrait une meuf plus comme toi, c'est ça? Mais avec au moins des belles dents, puis tu sais, un plus de monde au balcon, là, au Québec, ça veut dire avec une poitrine plus généreuse. Je pense que JP, il aime encore têter au niveau de la poitrine, là, si je me fie à sa relation avec maman. Fait que, je sais pas. Qui? Avec comment elle s'appelle? Ouais, c'est vraiment là, c'est vraiment une tueuse. Attends, Anne, elle est là pour abattre. Anne, elle est là pour abattre. Et ouais, mais Anne, il sait toujours pas à quoi tu ressembles, JP. Bah ouais, tu m'as jamais montré de photo. J'attends de voir au complet de ce qu'il y a sous ton pantalon. Après ça, on va être sur la photo. Bah, on a tout vu, hein. Sur... Bah, on l'a quand même vu devant 15 000 personnes, hein. Oh, c'était bref, hein. Tu veux voir quoi d'autre pour que tu puisses, ils puissent te voir? Je voudrais voir le service 3 pièces. Aïe. Quoi, aïe? Il a assez de envoyer sa bite. Non. Là, t'aimerais la voir pour de vrai? Bah bien sûr, voir comment elle est. Ça t'intrigue? Bah oui. Anne, est-ce que t'es bonne? Oui, mais je pense que je suis un petit peu trop bonne pour JP, honnêtement. Waouh, wow, okay. Tu es trop bonne. T'as quel âge déjà, Anne? Cache, hein. 33. Ok. Ouais. Et quel âge il a, ton père? 40, pas 45, 55. 45, c'est l'âge à mon futur concubin. Mm-hmm. Ouais. Concubin. Ça me fume bien quand il est content, la tête, il bande et tout. J'arrive pas à faire la lumière sur cette histoire. C'est sûrement non plus. Je ne sais pas si c'est son père, si c'est pas son père, si c'est son mec. Tu sais, vous êtes un mystère de fou pour nous. Vous viendrez au Québec, vous allez voir, là, vous allez découvrir le mystère. Mon papa est pas si intimidant que ça. Ok, franchement, j'ai hâte de venir au Québec juste pour nous. Y a pas moyen d'avoir une photo, mais genre, on la diffuse pas, tu vois, juste pour nous. Ouais, vous êtes pas très fiables, les gars. Non, je te jure que on a jamais alors, fait. Je te jure sur la tête de ma fille que la photo ne sortira jamais. Ok, c'est bon, ça me rassure. Je vais vous envoyer une photo sur Insta. Allez, sur Insta? Sur lequel d'Instagram? Comment? Sur lequel d'Instagram? Je vais voir c'est qui que je suis. Je pense que je suis Naruto. Alors, je vais y aller pour ça. Vas-y. Là, il y a Nina qui vient de m'envoyer un message. Elle est pas contente de ta discussion avec... Nina est jalouse. Margot, ouais, ça fait beaucoup de jalouse. Voilà. C'est fou, il y a plein de meufs jalouses qui veulent rien avec toi. Ouais, c'est cool, waouh. Non, non, vous inquiétez pas, moi je suis professionnel de ouf, les gars. Je suis dans le professionnalisme. Je pense que ça va devoir aller plus tard pour la photo, parce que je suis sur mon mobile, puis là, ça bug. T'aurais pas dû jurer. Non, mais je veux juste voir. La photo sortira pas. Je veux voir. Bah oui, tu vas voir, pas de stress. Elle a dit, j'ai pas besoin de parler et de le draguer, moi. Number one à vie. Bah vas-y, Nina, le champ est libre. Est-ce que c'est vrai, ce qu'elle dit, Nina? Faut montrer, hein. Waouh. Hein? Faut prouver ça. Est-ce qu'elle est pas un peu excès de confiance? Que tout est acquis, elle pense que tu... On te parle. Rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Mais dis-lui, face caméra, regarde là, elle écrit. Dis-lui les choses, rien n'est acquis dans la vie. Dis-lui que c'est pas la number one. Dis-lui que t'as besoin de miel. Dis-lui que Margot a pris sa place. J'ai besoin de beaucoup de choses. Elle a dit ah bon, point d'interrogation. Oh putain, ne va pas trop loin, tu vas le regarder. Je peux te poser une question? Regarde la caméra. Oui, si là maintenant tu dois avoir un date demain, soit Nina, soit Margot, tu choisis laquelle? Margot a des chances, Nina ça arrive. Quoi? Ah attends, après le dent il va répondre. Attends.
Jackie était K78 garde des mineurs dans un souterrain. Oh. Il faut. Force à vous les gars pour pouvoir rester à côté de JIP. Alors, si demain tu dois avoir un date, soit Nina, soit Margot. Margot. D'accord. D'accord. Nina vient de m'envoyer, tu me disais pas ça avant-hier à 4h du matin. Oh putain. Est-ce que je peux avoir des exclus, Nina? Pas d'exclus. S'il te plaît, Nina. Comment ça, pas d'exclus? Est-ce que je peux avoir des exclus? Je crois que tu t'es encore mis dans la merde. Il a choisi Margot au passage.